这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。Thank you.
Allez, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir de vous retrouver pour cette quatrième édition Le vin du Puy de la Com. Bonsoir Florian. Bonsoir, bonsoir à tous. Très content d'être là ce soir. Au plaisir d'échanger avec vous comme chaque 20 à 20h. Vous le savez maintenant, vous avez les commentaires. Dites-nous déjà en commentaire si vous nous entendez bien. De notre côté, tout se passe bien. La régie est en place. C'est avec plaisir de vous animer cette émission. Et ce soir, petite nouveauté par rapport à d'habitude, nous avons deux invités avec nous qui sont Laura et Aude. On applaudit. Bonsoir. Des invités de marque, si tu veux dire. Exactement, des invités de marque. Elles ont fait le déplacement du fin fond de l'Auvergne pour venir nous rejoindre expressément pour être avec vous ce soir et avec nous ensemble. Merci à toutes les personnes qui sont ici présentes, qu'on peut saluer dans le chat, hein, et n'hésitez surtout pas à commenter. On a notre traditionnel Phil qui est présent, qui nous dit bonsoir ma femme. Ma femme et mes enfants au lit, place au pop-corn et au puits de la com maintenant. C'est excellent. Merci à toi, Phil, d'être fidèle au rendez-vous. Et c'est une émission un peu particulière. Ce soir, on a pris la décision de faire une émission dédiée. Alors, attendez, est-ce que j'oublie un petit peu la mécanique des fois et je voulais tout afficher, mais ça bug de mon côté. Mais ce que je voulais vous dire. Alors, première chose que je veux vous dire, c'est que ce soir, c'est une émission 100%. Ça bug énormément, c'est hallucinant. Voilà. C'est une émission Instagram, Canva et tourisme. Ce soir, l'émission est vraiment dédiée au métier du tourisme. Et du coup, on a vraiment orienté tout ça pour qu'on puisse vous aider à travers cette émission ce soir. Florian, Oui, à mon tour. à ton tour. Bienvenue, hein. De toute façon, on a déjà bien introduit l'émission. Bienvenue à vous tous, pour ceux qui arrivent, ça continue d'arriver. On va introduire l'émission en vous rappelant pourquoi est-ce que vous êtes là. Tout d'abord pour chiller. Tu sais ce que ça veut dire chiller, Cédric? Être tranquille? Oui, c'est ça. Ensuite, en deuxième point, apprendre, parce que on va essayer de vous apporter un maximum d'informations concernant du coup les domaines d'Instagram, de Canva, concernant la conception graphique, mais tout ça lié au métier du tourisme. Bon, bien sûr, cette émission reste ouverte à tous, mais il y aura peut-être quelques petits points d'accroche par rapport au monde du tourisme dans sa globalité. Et dernier point, s'amuser, évidemment. Si on ne s'amuse pas, C'est pas drôle. à quand bon? Effectivement, c'est dans la nature du Puy de la Com et dans son émission du vin que vous retrouvez donc le vin à 20h, de passer un bon moment convivial avec nous ce soir. Sortez les pop-corn, éteignez la télé, mettez les enfants au lit où vous voulez. Mais en tout cas, nous, c'est avec plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition 100% interactif, hein. Faut pas l'oublier que c'est l'objectif de cette émission. On est là avant tout pour partager avec vous dans la bonne humeur et surtout avant tout pour s'amuser. Eh bien, on est parti. Du On est coup, parti. le programme, je vais très très vite fait en parler. Au programme, du coup, comme Cédric vous l'a introduit, on va parler d'Instagram, de toutes les fonctionnalités d'Instagram, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est un peu moins possible de faire, mais surtout comment il visite sur Instagram. Également, Canva, l'outil de référence, on va dire, pour la conception graphique. Et la meilleure manière d'utiliser Canva, Canva comme un pro, voilà comment s'intitule cette partie. Et du coup, tout en apportant un petit peu des petits jeux ludiques et interactifs, on espère que vous allez y participer. Et pour finir et pour conclure, on va faire un point plus centralisé sur les métiers du tourisme. Donc voilà, on espère qu'il y a beaucoup de personnes provenant du coup, des métiers du tourisme qui sont là ce soir. Voilà, en gros le programme, très très vite fait. À noter qu'on a une petite surprise à la fin à vous annoncer. Donc, on espère que vous resterez jusqu'à la fin de l'émission. D'ailleurs, ça pourrait être la première question à vous poser ce soir. Dites-nous dans les commentaires, géographiquement, où est-ce que vous êtes? Ah oui, intéressant. Ça serait sympa de nous le dire. Et pour les personnes qui vont nous suivre pendant le replay, hein, vu que les émissions restent accessibles une fois que le direct est passé,
Du coup, n'hésitez pas également de nous répondre dans les commentaires. Alors, si on continue, du coup, qui sommes-nous? Bon, on va se présenter comme à notre habitude. Cédric, présente-toi. Cédric, présente-toi. Donc, Cédric Debec, fondateur du Puy de la Com, 41 ans. Quoi dire de plus? J'adore le théâtre d'intro, j'adore la photo, j'adore la randonnée, j'adore voyager. Et ça fait... petite info croustillante de dernière minute, parce que, comme d'habitude, c'est pas préparé. 10 ans cette année, hein, 10 ans d'entrepreneuriat, plus précisément le 12 juin. Retenez la date, hein, le 12 juin 2022, ça fera 10 ans d'entrepreneuriat. Et en août, on fêtera les 4 ans du Puy de la Com. Bon, on vous en reparlera d'ici là. Super, Cédric. Écoute, à mon tour. C'est ça. J'ai rien préparé. Je m'appelle Florian, enchanté. Je suis actuellement alternant au Puy de la Com. Je suis chargé marketing communication. Et j'aime bien m'amuser dans la vie, j'aime bien me balader, j'aime bien sortir comme tout le monde. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je suis là ce soir avec mes chers collaborateurs. Et voilà, en grand résumé. Et je suis en école de commerce aussi. Voilà, à vous les filles. Du coup, moi, c'est Laura Sanchez. Je suis en deuxième année de BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client au campus Bansac à Clermont-Ferrand. J'adore la gymnastique, le rugby et shopping. Et j'aime bien rire, vous avez remarqué. moi, c'est Aude Barrier. Je suis dans le même BTS que Laura. Et c'est pour ça qu'on stage toutes les deux ici en même temps. Et je viens d'arriver sur Clermont pour mes études. Et ce que j'aime bien, c'est la photo comme Cédric et sortir, faire la fête, tout ça. On a tous un point commun, Simon. Donc, on peut quand même le constater que ce soir, on est à la fois en direct de Corse, de la Corse, si je ne m'abuse. Et apparemment, Macho Bilou de Ber, il vient de Schnorr, chez Chat. C'est comme ça qu'on dit, hein, la Schnorr. Voilà, c'était la petite minute ch'ti. Tu parles bien, franchement. Je suis quand même un peu né là-haut. Oui. Quoi. Donc, chez le Macoin, comme dirait Monsieur Debec, père, qui est en direct avec nous aussi. Allez, petite actu du mois. C'est parti, première partie. Et du coup, pour cette partie récurrente, comme à chaque émission, cette fois-ci, on a décidé de la délaisser aux invités de marque. Les filles, je vous laisse la parole. On va parler des BlackBerry. Donc, les anciens BlackBerry ne fonctionnent plus. C'est fou. ils ont décidé d'arrêter. On vous l'avait dit qu'elle aimait beaucoup rire. Hein. Alors, c'est drôle parce que quand elle va rire, moi ça va me faire rire. Alors, vraiment, on n'est pas rendu. L'émission elle va partir en cacahuète totale, on va jamais réussir à la finir. C'est fou. Ouais. Ça va aller. Du coup, la marque elle a décidé d'arrêter leur système d'exploitation. Et par contre, les BlackBerry marchent encore sous Android. Voilà. Ok. Franchement, intéressant. Vous aviez un BlackBerry quand vous étiez genre au collège ou au lycée? Alors moi, la plupart de mes amis en avaient, ou ma famille, mais c'était plus la génération avant nous. Ouais. Mais sinon, je trouve que beaucoup de gens en avaient, quoi. Ouais, c'est vrai. Même surtout, vous êtes... Alors, quelle année, rappelez-moi? Alors, 2002 pour ma part. Ok. 2001, ouais, ok. Même moi qui suis en 99, c'est vrai qu'il y en avait énormément. C'est un petit peu générationnel, vraiment, à l'époque où on était au collège-lycée. C'était une phase, on va dire, de 4 ou 5 ans où tout le monde en avait. Et du coup, ça fait quelque chose au cœur quand même de voir que les anciens ne marchent plus. Mais bon, c'est un passage aux nouvelles générations. Il faut bien délaisser les vieilles choses. Et est-ce que vous avez connu les smartphones qui avaient uniquement la radio? Alors, ça, non, pas du tout. Voilà, on en reparlera à la prochaine émission. Ok, carrément, je ne savais pas. Deuxième actu. Et donc, du coup, on a pu voir dans le mois qu'un drone a sauvé la vie d'un retraité de 71 ans grâce au fait qu'ils ont pu ramener un débriefilateur, c'est très dur à dire, jusqu'à lui et qu'un médecin a pu ensuite le réanimer, donc le sauver. Donc, comme quoi les technologies sont positives. Et oui, il ne faut pas voir que le négatif dans les technologies. Hein.
la technologie ne va pas surpasser l'homme, au contraire, elle aide l'homme. La petite morale en passant. On passe à la dernière actu. Allez, go. Bah, du coup, le premier iPhone a 15 ans. Enfin, il a eu 15 ans dans le mois de janvier. Donc, les iPhones, maintenant, majoritairement, tout le monde en a. Hein. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires qui en a pas. C'est clairement la marque la plus qui vend le plus de téléphones, il me semble. Oui, c'est le smartphone de référence. Hein. On va dire c'est Évian Perry, du coup. Il représente plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. Ok. Donc, c'est énorme. Et est-ce que vous connaissez le prix à l'époque du premier iPhone? Ça doit être tellement plus faible qu'aujourd'hui. Oui. Bah, étant donné que je l'avais acheté à l'époque, il coûtait 163 euros. J'allais dire 163. C'est fou. Ouais. Ouais, il était très très peu. Enfin, c'était cher à l'époque, hein, pour un téléphone. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est presque le prix d'un ordinateur. 15 ans déjà. C'est ça, le temps passe vite. Il a bien évolué hein, quand même. Mmh. Si on fait référence au commentaire d'Hubert, dans 15 ans, on fera la première émission du vin depuis la com en direct de Metaverse. Oui, c'est ça. Pourquoi pas. On est ça. Allez, on continue. On attaque même. On attaque. Let's go. Et bien, du coup, deuxième partie. Donc, comme on l'avait annoncé, on va parler d'Instagram. Donc, au menu d'Instagram, aujourd'hui, on va parler stratégie, on va parler format. Et on va parler un petit peu influenceur dans un petit jeu. Alors, parlons peu, parlons chiffres. Les filles, je vous redonne la parole. Du coup, il y a un tiers des utilisateurs d'Internet. Donc, les internautes sont sur Instagram. Ça fait beaucoup. Franchement, un tiers, si on voit vraiment, imaginons 300 personnes qui ont l'habitude d'utiliser Internet, on va dire comme la majorité des gens aujourd'hui, 100 personnes utilisent Instagram. Et moi, je trouve ça complètement fou qu'il y ait autant de personnes qui soient sur Instagram à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est quand même le sixième, je ne sais pas si vous l'avez mis dans vos chiffres, c'est quand même le sixième site internet le plus recherché sur Google. C'est incroyable. Mmh. Non, mais en même temps, ça paraît tellement normal maintenant. Pour moi, c'est normal. Donc, est-ce qu'on peut se dire que Instagram a détrôné Facebook? Alors, pour notre génération, ça c'est sûr. Mmh. Après, pour les personnes, les adultes, je ne sais pas. Non, il reste quand même sur Facebook. Il y en a beaucoup dans la famille. Vu qu'il y a des adultes, probablement des adultes dans nos auditeurs, nos auditeurs de ce soir, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus Instagram ou plus Facebook. Moi, je suis plus Instagram. Je ne sais pas si j'étais concerné par la question, mais ouais. Ben voilà. J'ai eu Facebook, hein, comme tout le monde. Comme vous, j'imagine que vous avez Facebook, mais... Par contre, je vais faire un commentaire. Mes plus jeunes n'ont pas connu MSN. Bien sûr que si. Alors, Phil, c'est... Donc, vous avez connu le Wooziz. Ah, oui. Putain, moi, ça me manque. Tout le monde qui fait bouger l'écran, là. C'était fou, ça. Il y avait même des jeux sur MSN qui pouvaient jouer en temps réel. Non, mais bon. Et Léa qui nous dit Insta, perso. Effectivement. Comme la majorité des gens, maintenant. C'est ça. Bon. Allez, on passe au deuxième chiffre. Du coup, encore un tiers. Donc, un tiers des stories les plus vues sont publiées par des entreprises. Donc, de plus en plus d'entreprises arrivent sur Instagram. Mmh. On le voit depuis qu'on a développé notre propre stratégie sur Instagram depuis le début d'année. On voit vraiment la différence. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé par le monde de l'entreprise. Non, mais c'est incroyable. Mais après, j'ai une question. Est-ce que, du coup, dans ce chiffre-là, un tiers des stories les plus vues sont publiées par des entreprises? Est-ce qu'on compte les influenceurs? Très bonne question. Ils ont clairement des entreprises à leur nom, je pense que oui. En soi, ils travaillent à leur propre compte. Donc, en soi, c'est des micro-entreprises. Mmh. Il faudrait voir si le chiffre est beaucoup plus détaillé ou détaille la typologie d'entreprise. Après, c'est quand même assez, hormis si tu fais un sondage extrêmement poussé, c'est quand même compliqué d'en avoir plus le détail. Mais c'est vrai que c'est astucieux ce que tu dis. Oui, on se renseignera. Allez, on passe à la suite. Ouais. Mais du coup, pourquoi Instagram? Et pourquoi pas Google+? Cédric, est-ce que tu avais... Non, mais franchement, mais pourquoi pas Google Plus? c'est le réseau social qui est quasiment mort-né.
Alors moi, je l'ai connu, hein, bien sûr, j'y ai été pendant un temps. Mais vous l'avez connu, vous ? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Jamais ? Moi, je ne connaissais pas, je croyais que c'était une blague au début. Ah, pas du tout. Plus par rapport à... Ah non, non. En fait, ça fait des années, ça fait, je crois que ça fait 10 ans. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres chiffres, je suis preneur. Mais je crois que ça fait 10 ans que Google essaye de lancer son réseau social. Et il y a eu Google+, il y a eu d'autres noms, il faudrait qu'on les cherche. Mais en soi, non, 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 c'est vraiment un réseau social qui a existé. Ouais. Et en fait, c'est un réseau social qui est, a été très vite pris d'assaut. Par les il y a eu pendant un temps pas mal de photographes qui étaient dessus. Et après, tout ce qui est tech, bah, vraiment dans le domaine de la technologie, quoi, genre des blogueurs qui étaient spécialisés dans ces domaines-là. En soi, l'outil pouvait avoir de la, pouvait, enfin, aurait pu fonctionner parce qu'ils avaient développé des bons trucs, mais en soi, ça n'a jamais marché parce que de base, Google, c'est pas un réseau social. C'est vrai que les gens avaient du mal avec, bah, avec cette idée-là, le fait que ce soit un réseau social, et à mon avis, c'est pour ça que ça n'a pas dû marcher. Dans la tête, et surtout donner ce genre de nom-là à un réseau social, c'est pas ce qu'il y a de plus aguicheur. Dans la tête des gens, Google, c'est pas un réseau social, ça reste un moteur de recherche. Alors, donc ça a dû flopper comme ça. Si on va sur ce débat-là, effectivement, c'est pas le meilleur des noms qu'ils lui ont trouvé non plus. Mais du coup, on s'éloigne de la question. Pourquoi Instagram ? Mais pourquoi Instagram ? Alors, du coup, on est parti ? Alors, Instagram, bon, pour faire un petit peu l'historique, ça va être très très rapide, on n'est pas encore d'histoire, tout va bien. Bah, l'évolution du logo, qui a quand même pas mal changé. Bon, le logo le plus connu, ça reste celui de 2011. Je ne sais pas lequel vous préférez, vous, les filles. Celui de 2011. Ah ouais, c'est vrai. C'était vraiment Instagram. Ouais, moi aussi. Ah, moi, enfin, suite 2016, j'ai eu du mal au début. Hein. Ah, ouais, maintenant, c'est. Ah ouais. Ah non, maintenant, c'est devenu une monnaie courante. Hein. C'est. Enfin, le 2016. Là, je vais m'adresser à ceux qui sont plus dans le côté design. C'est parce qu'on commençait à rentrer dans ce qu'on appelait le flat design. Oui. Ce qui est toujours d'actu quasiment aujourd'hui. Quoi. Oui. OK. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler de quelque chose. Bon, désolé, je parle beaucoup ce soir. Mais vas-y, lâche-toi, Florian. Et ben, le flat design, du coup, c'est le fait de rendre un design de manière le plus épurée possible, ouais, pour que l'information soit claire. Et ben, j'ai entendu parler de la relève du flat design qui s'appelle l'éco-design. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas ? Pas du tout. Eh bien, en fait, ça consisterait à mettre le moins d'éléments possibles sur un logo. Bon, ça peut rejoindre également le flat design pour le rendre épuré. Mmh. Mais, par exemple, ne pas mettre de couleur pleine sur un logo dans un but purement écologique. Comme ça, oui, à l'impression, par exemple, sur n'importe quel type de support, sur des papiers, sur des vêtements, etc., eh ben, il y aurait moins d'encre utilisée. Du coup, ben, ça nuirait moins... À l'environnement. À l'environnement, exactement. Et du coup, en fait, ce que tu es en train de dire là, ça nous amène à du monochrome quasiment, oui, ou du monocouleur, dans le but effectivement de moins consommer d'encre possible. Ben c'est ça, c'est un but purement écologique. Et ben, ce sera un sujet pour une prochaine émission. Ben, on fera une émission spéciale design. Parce qu'il y a un autre, mais on en parlera plus tard. Okay, allez, c'est loin du sujet, sinon. C'est pas possible. Du coup, bref, historique d'Instagram. L'Instagram qui a été lancé en 2010, qui appartient aujourd'hui au groupe Meta, donc ancien nom Facebook Incorporation. Et petit point sur l'étymologie d'Instagram. Est-ce que tu connais l'étymologie d'Instagram? Comment est-ce qu'il est composé à la base, ce mot, Cédric? Non, aucune idée. Je pense que je l'ai su, mais là, non, tout de suite, non. Ok. Alors, Instagram, donc, c'est tiré du grec des mots Insta plus Gram. Insta qui vient de Instaclip, c'est-à-dire le fait de capturer la lumière, donc prendre une photo. Et Gram, du coup, qui vient du mot... Alors, c'est drôle parce que je viens d'oublier. Alors, ça, c'est vraiment là-dessus. Hein. Telegram. Eh non, j'ai pas oublié. C'est une blague. J'avais vraiment oublié. Comment il se la pète? Telegram, qui se définit par le fait de partager du contenu d'une personne à une autre. Voilà. Et du coup, ils ont fusionné les deux et ça donne Instagram. Voilà. Wow. D'où vient le nom. C'est fou. Bah, il y a plein d'entreprises comme ça qui se sont créées un nom à partir d'étymologies anciennes et
Et voilà, comme maintenant, on en a l'habitude et on n'a plus forcément le réflexe de voir d'où ça vient, etc. Bon, allez, j'avance. Attends, parce que du coup, est-ce que maintenant, tu sais la vraie utilité d'Instagram? Dis-moi, Cédric, ça m'intrigue. En fait, la vraie utilité d'Instagram, c'est de faire une extension de ta mémoire. En quelque sorte, on a créé Instagram pour réactiver les souvenirs. Okay, ouais, à l'époque, on appelait ça un album photo, pour faire simple. Aujourd'hui, c'est Instagram. Ok. Eh ben, très intéressant. Franchement, je ne savais pas. Allez, on continue. Alors, Cédric, je vais trop vite. Je te laisse prendre la main. Tu veux que je prenne la main? Du coup, 32 millions de visiteurs par mois en France. 90% des utilisateurs suivent des marques et les objectifs principaux d'Instagram, partage de photos et de vidéos. Dedans, j'imagine que c'est prévu par la suite, mais on peut décliner ça en stories, en reels. On va tout vous expliquer, les différents formats qui existent sur Instagram. L'animation et gestion de communautés, on peut vraiment mettre en place des vraies communautés. Et du coup, la mise en valeur de votre activité, comme on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont présentes sur le réseau social, qui est, pour le rappeler, hein, 32 millions de visiteurs par mois. C'est le 6e site internet le plus recherché sur Google. C'est vraiment l'outil indispensable aujourd'hui. Encore une fois, on le dit pour les métiers du tourisme, parce que vous avez avant tout, hein, que vous soyez un restaurateur, un hôtelier, parapente ou tout autre type d'activité liée au tourisme, du moment que vous avez une activité qui visuellement peut être rendue soit en photo soit en vidéo, l'outil est fait pour vous. Eh ben, c'était une très belle explication. on a des petits commentaires, je ne sais pas si tu as vu. Alors, j'en ai. Un commentaire d'Hubert, c'est la métaverse, non? Alors, ça doit être une question par rapport au fait que j'ai mentionné Meta juste avant, du coup, le groupe qui. Oui, c'est le nouveau nom de Facebook, bien sûr. Alors, Metaverse, c'est différent. Du coup, c'est le concept, le monde virtuel qu'ils ont inventé. Et Meta, juste Meta, c'est le nom, du coup, de la société. Tout à fait. Tout à fait. Et on garde le commentaire de Phil pour un petit peu plus tard parce qu'on va être en dehors du sujet d'Insta. Et il y a une autre question de mon papa. Qui est effectivement, petite question, quand on aura le plein écran sur Instagram? C'est-à-dire que c'est vrai que, alors, oui, je te vois grimacer de ton coin là-bas. Non, oui, effectivement, quand on est sur Insta, c'est pas tout, on ne peut pas forcément zoomer sur une photo pour la regarder. Comme sur Facebook, par exemple? Ouais. Okay. Et c'est vrai que dans certaines situations, vu qu'en plus Insta, c'est principalement sur smartphone, pas toujours évident de le faire. Et on vient de me dire dans l'oreillette que en fait c'est totalement possible, il suffit de prendre la photo et de cliquer dessus pour l'agrandir. Merci à la chère personne qui vient de me le dire. Ok, nickel. Voilà, c'est les aléas du direct. On continue. Alors, le type de contenu sur Instagram. On va faire un point sur tout ce qu'il est possible de faire sur Instagram. Alors, bah, tout d'abord, le cœur d'Instagram, les publications, c'est-à-dire qu'on peut partager du contenu photo, du contenu vidéo et également, bah, c'est tout, du contenu photo et vidéo, mais sous format également carousel, c'est-à-dire que ça peut être soit un contenu unique, du coup, à une page, ou un carousel où on peut défiler plusieurs pages, quoi, avec soit des photos, soit des vidéos. Voilà. On a le format Reel qui nous vient tout droit de TikTok. Bien joué. Donc, qui respecte aussi le format TikTok en mode vertical qui prend tout l'écran de votre téléphone. Donc, Instagram qui a voulu un petit peu copier et suivre la tendance de TikTok. On a le format story, donc également, mais ça va être du partage de contenu, on va dire, éphémère qui dure 24 heures, qui est lié à un compte pour partager un petit peu de l'actu à court terme. Les stories à la une, donc ça, c'est juste un groupement qui sera présent directement sur votre profil et qui va regrouper plusieurs stories, du coup, généralement, qui suivent un même thème. Également, les guides qui sont carrément moins connus sur Instagram, qui sont en fait des petits formats qui sont présents sur les profils où on va pouvoir mettre des informations, mais sous format, on va dire, PDF, type un peu infographie à la Pinterest. Ça, c'est les moins connus. C'est pas trop la force d'Instagram.
et bien sûr les lives donc, qui sont aussi disponibles en story, mais c'est en live, comme l'émission du vin du Puy de la Com. J'espère que vous en avez entendu parler. On continue. Pas de questions, les filles, tout va bien? Bah, à part que je ne connaissais pas du tout le guide. Pour oui, sinon, ouais. Parce que du coup, tu l'actives comment cette affaire-là? Eh bien, il y a juste à créer, comme on appuie sur le petit plus pour ajouter quelque chose sur Instagram. Et c'est pour créer quelque chose sous format PDF. D'accord. Voilà, en mode infographie, un peu à la Pinterest en fait. Mais ça, c'est vraiment pas connu. C'est plus sur Pinterest qu'on va retrouver ça, ce genre de contenu. Ok. Instagram, non, c'est pas trop connu, les guides. Très bien. Voilà, voilà. On continue. Oui. Nos astuces pour être bien référencé. Alors, avant de passer à la prochaine, à cette partie-là, on va répondre à des questions. Ouais. Il n'y a pas de passive. Mais si, si, il y a des questions. Êtes-vous. C'est quoi ça? Êtes-vous influenceur, Florian? Il me semble avoir déjà vu votre bouille. Oui. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Peut-être que vous m'avez vu sur LinkedIn, étant donné que j'ai fait un post sur McDonald's qui a plutôt bien marché. Je suis un peu passé partout. Mais sinon. Où est-ce que je suis passé? Le panneau de la mission locale. Oui, j'ai prêté ma tête à la mission locale du soir. Et j'ai une mission locale. Voilà, c'est ça, un peu l'égérie, un peu mannequin. Et sinon, les DCF Challenge. Les DCF Challenge, voilà. Oui. C'est vrai, je suis un peu une star. C'est ça. Et le fait d'avoir commencé avec moi la toute première émission du vin du Puy de la Com, oui, que fait. Vous pouvez retrouver dans les replays sur YouTube plus facilement. Oui. Voilà pour la réponse. Et du coup, allez, j'en profite avant de passer au thème suivant. Pouvez-vous décrire le logo de votre agence? Le logo de notre agence, en fait, c'est le Puy de la Com. Le Puy de la Com qui se trouve à Clermont-Ferrand, à proximité de la chaîne des Puys. Et en fait, dans la chaîne des Puys, il y a différents puits, dont le Puy de Com, et qui est en fait pour moi le grand frère du Puy de la Com. Et c'est de cette manière-là que le logo du Puy de la Com est né. Voilà, voilà. Ok, super histoire, le Puy de la Com, petit storytelling du Puy de la Com. Storytelling, voilà. C'est un peu la même chose, non? Oui. Pour ceux qui veulent, du coup, j'ai mis le logo du Puy de la Com en haut à droite, mais il est présent sur la photo de profil pour laquelle vous regardez le mail. On a d'autres commentaires, peu moins drôles, du coup. Il a joué dans Shrek, c'était l'âne, voilà, on parle de moi, évidemment. merci Johanna. C'est vrai qu'elle ressemble, hein. Pour info, c'est ma sœur, je la déteste. Bonsoir la sœur. D'accord, ok. Donc, un autre commentaire de Phil. Je vous avais vu au McDo à l'époque. Merci pour votre gentillesse. Oui, j'ai travaillé pendant 3 ans au McDo. Est-ce que tu devais plus de nuggets? Ça, j'ai pas le droit de le dire. Sinon, McDo va me retrouver et va me dire. Directement, t'as déjà donné la réponse là. Je vais mettre un petit nugget en plus. Non, mais oui, sûrement, parce que j'y suis resté pas mal de temps à McDonald's. Et c'était plutôt cool, je me suis bien amusé. Bon, on précise quand même qu'il n'y a pas de placement de produits ce soir dans cette émission, hein, avec toutes les marques qu'on cite. C'est une émission de détente. C'est ça, exactement. Allez, du coup, on continue. On est reparti, du coup. Allez, hop. Attends, ce que j'ai fait, voilà. Du coup, nos actus pour bien référencer. Nos actus comment... pour être bien référencés. Ou alors, sinon, le titre, on aurait pu mettre « Comment montrer son make-up à un maximum de monde ?» Parce que c'est un petit peu la force d'Instagram, les petites influenceuses qui montrent leur maquillage. Ou non, Aude m'avait soumis l'idée aussi de mettre la nourriture. « Comment montrer son risotto à un maximum de monde ?» Ça marchait aussi, du coup. C'est ça, Instagram. Aujourd'hui, c'est vraiment publier de la nourriture. C'est un peu les débuts d'Instagram, je trouve, le fait que les gens publiaient ce qu'ils mangeaient au restaurant une fois. Mmh. Mais bon, ouais, parce que c'est quoi maintenant la tendance? C'est quoi? C'est les chats? Toujours. Les chats. Ouais, il y a beaucoup de chats. Hein. Moi, j'ai beaucoup de chats. Une vidéo type TikTok, hein, en fait. Ouais. C'est ça. Allez, go. On y va. Parti. Première astuce pour être bien référencé, pour être un maximum visible, choisir un nom, c'est-à-dire soit votre prénom ou soit votre activité. Instagram va analyser votre nom pour les filtrer dans les résultats lors de la recherche de visiteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous avez une certaine activité, bien stipuler votre secteur d'activité dans votre pseudo
vous aidera du coup à acquérir une certaine visibilité dans le moteur de recherche interne à Instagram. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Oui. Rien à rajouter. Ok, super. Deuxième astuce, la bio. La bio qui, du coup, est présente sur votre profil. Le but de la bio, du coup, ça va être vraiment d'expliquer en deux, trois mots, en un petit paragraphe, eh ben, qui vous êtes, en quoi consiste votre activité, tout simplement, mais de manière très concise et très claire. Surtout, pourquoi pas jouer avec les emojis, faire une sorte de paragraphe en mode puce et numérotation. Ça, c'est ce qui est à la guichure aujourd'hui. Et notamment aussi, on peut retrouver ça sur LinkedIn où pour attirer un petit peu l'œil des visiteurs qui vont tomber sur votre poste, vont pouvoir voir un petit peu des emojis. Et voilà, quoi, c'est, ça rend un petit peu le poste ou le paragraphe un peu plus friendly, un peu plus fun, quoi, un peu plus frais. Ça peut être toujours intéressant. Et surtout, d'expliquer le statut. Parce qu'il est possible, en fait, sur Instagram, de créer une page. Après, c'est différent d'une page Facebook, mais votre profil peut devenir un profil professionnel. Ça se trouve dans les réglages d'Instagram. Et en passant à un profil professionnel, il est possible de choisir votre secteur d'activité, mais de manière très large. Si vous êtes, par exemple, une personnalité publique, comme un restaurant, un service public, un vendeur de biens et services, etc., etc. Donc ça, c'est important de le stipuler, ça aide à votre référencement sur Instagram. Troisième point, l'utilisation des hashtags et des arrobases. À vous les filles, expliquez c'est quoi les hashtags et les arrobases sur Instagram. Qui se lance ? Ça sert à cibler, quoi. C'est des mots-clés qui permettent de retrouver la publication. Quand on tape le mot-clé dans la barre de recherche pour les hashtags, et les arrobases, plus ou moins pareil. Oui, c'est ça. Bah, alors, les arrobas, ça va plus cibler, on va dire, le mention. C'est le fait, du coup, de mentionner quelqu'un avec directement son pseudo. Le arrobas veut dire que ce qui suit égale un pseudo. Voilà. Alors, tu vois, on me pose souvent la question du nombre de hashtags qu'il faut mettre sur un post Insta. Ouais. Mais on me pose jamais la question, est-ce qu'il y a un nombre limite de personnes qu'on peut identifier dans un poste. Ah, ça, j'en ai aucune idée. Je pense pas, parce que j'ai déjà identifié au moins une vingtaine de... Parce qu'à l'époque... De... Voilà. Voilà, à l'époque... À l'époque, on identifiait tous nos amis. Oui. Les photos et donc, en règle générale, quand vous faites des posts Insta, vous mettez combien d'hashtags? Alors, zéro. Moi, je ne mets pas d'hashtag. Du tout? Non. Oui, parce qu'après, il n'y a pas forcément un intérêt stratégique. Et puis, on se rappelle les... Aussi à l'ancienne, il y avait le bloc de hashtag avec hashtag good fit, hashtag freestyle, tout ça, et qui en abusait beaucoup trop. Et c'est devenu un peu un truc moins à la mode de mettre des hashtags pour les personnes qui ont des profils personnels. Pour des profils perso. Ok. Oui, c'est plus intéressant pour des profils pro, du coup, qui vont permettre de situer leur contenu et leur communication autour d'un même thème. Et voilà. Ok, du coup, pour un compte pro, on peut dire quoi, entre 3, 5, 10 ? Ouais. Grand maximum 10. Grand maximum 10. Il y a qui nous répond, regardez. C'est maximum 12. Mais on peut ajouter le profil. Enfin, pardon. Ça bug aussi de mon côté, donc du coup, voilà. Mais sur l'outil de studio création de Facebook, qui permet de publier sur Insta depuis un ordinateur. Il me semble qu'ils affichent 30 hashtags. Et c'est énorme, 30. Ouais, c'est beaucoup trop. Là, c'est vraiment purement du référencement. Enfin, il n'y a aucune lisibilité. À la base, le hashtag, c'est fait pour être lisible. Les personnes qui vont tomber dessus vont voir le hashtag qui sera du coup en surbrillance, enfin en bleu sur Insta, et ils vont voir du coup à quel thème correspond le post, de quoi est-ce qu'on va parler de manière bref. Mais voilà. C'est ça. Cool. On continue ? Ben, toujours. Alors. Quatrième astuce, les lieux dans les posts et les stories. Il faut toujours mettre les lieux. Et surtout à vous, métier du tourisme qui nous regardez actuellement, il faut absolument que vous mentionniez le lieu dans lequel vous avez pris du coup une photo, si vous voulez la publier en post, ou même en story. Il est possible de le mettre en post, mais également en story. On a un commentaire très intéressant. Oui. on va l'afficher après, mais enfin, je peux l'afficher.
Mais pour répondre à ce que vient de dire Florian par rapport au fait qu'effectivement la localisation sur vos publications ont de l'importance, parce qu'effectivement on peut faire de la recherche géolocalisée à l'intérieur d'Instagram, et c'est une manière aussi de préciser et d'aider aussi votre audience à tomber sur vos publications. Tout à fait. Et du coup, on va peut-être réagir aux commentaires de Phil. Dans le sens qu'il a bossé chez Instagram en 2020 et qu'il vous assure que c'est 12 commentaires. Ouais. Enfin, 12 hashtags plutôt. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est dit. Okay. On a réagi. Ok, super. Bah franchement, je ne savais pas. Merci en tout cas, Phil, pour ta participation. Et bah c'est fini. Maintenant, on va jouer. Allez, on veut jouer. On compte sur vous, hein. On compte sincèrement sur vous. Jouez avec nous en commentaire de cette émission. On adore lire vos commentaires, la preuve en est. Du coup, c'est quoi ce quiz? Même moi, je ne suis pas au courant, en fait. Alors, le quiz des influenceurs. Tout simplement, quel influenceur existe vraiment? On va passer des slides où il y aura deux influenceurs. L'un existe vraiment, l'autre n'existe pas. À vous trois, chers collaborateurs, de trouver quel est le vrai influenceur. Est-ce que vous avez une bonne culture Instagram? Nick. Je sais pas, je l'ai inventé celui-là, honnêtement. Mais à vous de jouer. On passe à la première manche. Et celui Allez, qui a le point à gagner. Et n'hésitez pas surtout à vous dans les commentaires de participer. Quel influenceur existe vraiment? Premier choix, les yeux grognons. Deuxième choix, les oreilles fâchées. À vous. Alors attends. Parce que avant il y a un commentaire. Est-ce que vous allez expliquer comment faire des reels, par exemple? Eh bien, pas dans cette émission, mais à l'avenir, ouais, pourquoi pas. Dans une prochaine émission, on pourra donner des petites astuces pour créer des reels, sans problème. Top. Allez, c'est toi l'influenceur. Donc, les yeux grognons et les oreilles fâchées. En fait, les deux me donnent envie de dire que ça peut être un influenceur. Mais je vais dire les yeux grognons. Ok, et vous les filles? Moi, je partirais plus sur les yeux grognons aussi. Moi aussi. Ah, vous aussi? Ok. Les yeux grognons, bravo à vous. Yeah. Et non, Hubert, vous avez perdu. C'était les yeux grognons. Les yeux grognons, en fait, qui est un compte Instagram, c'est une influenceuse qui partage des recettes de cuisine gourmandes. Voilà, c'est pour ça les yeux grognons. Voilà, vous avez capté. On passe au suivant, manche suivante. Yes. Ok. Alors, quel influenceur existe vraiment? Comme un camion ou comme une tulipe? Original, les deux. À vous de jouer. Moi, je vais dire comme un camion. Bah, par rapport à la référence à l'expression, je dirais aussi comme un camion. Parce que moi, je sais que c'est un blog de base. Il y a un blog mode homme qui s'appelle Comme un camion, normalement. Ok. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Ah, je sais pas. On va voir après. Vous, les filles, vous en pensez quoi? Comme un camion, je pense. Putain, elle se mouille pas. Hein. Vous vous mouillez pas. Hein. Franchement, non. Vous êtes pas drôle. Hein. Alors, moi, c'est orange. Une explication. Alors, la réponse est comme un camion. Bravo, Cédric, c'était exactement ça. C'est vraiment un compte Instagram qui publie un petit peu des posts concernant la mode masculine. Voilà. Et pour la petite anecdote, à l'époque où je faisais de la photo, et notamment de la photo de mannequinat, il y avait un autre site internet qui s'appelait à l'époque Homme Actu, qui était l'équivalent du magazine, et fameux féminin pour le coup. Et du coup, comme un camion, il existait déjà, on parle des années 2000. Ok, d'accord. Donc je connais. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. On passe au suivant? Oui. Allez, l'avant-dernier. Quel influenceur existe vraiment? Deux pincées de sel ou trois zestes de citron? À votre avis? Moi, je pense avoir la réponse, mais j'aimerais bien que les filles s'expriment pour la première fois. Alors, les filles? Deux pincées de sel, je pense. Ah ouais? Oui. Ouais, je ne sais pas, je trouve que c'est original. Okay. Pour moi, c'est trois zestes de citron. Ah ouais? Parce que je pense l'avoir déjà entendu. Ah. Et toi, Rose, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais partir comme Laura. Je ne sais pas du tout. Là, j'ai pas de... Ok. On passe aux réponses. N'hésitez pas à participer en commentaire. On donne la réponse dans 3 secondes.
La réponse était 3 zestes de citron. Bravo Cédric. Bon, yes. Dommage les filles. Bien joué quand même. Donc, bravo Margot, bravo Hubert. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus connu, lui. Hein, contre, ah, c'est qui ? Je connais de nom, mais je ne les connais pas spécialement. Quoi. Alors, Lipoku. Et c'est une coach spécialisée en Instagram. D'accord. Voilà, mais elle, c'est vraiment purement Instagram, qui va donner plein d'astuces autour du référencement. Je vois carrément qu'elle a créé un livre, le guide Instagram, etc. Donc, c'est vraiment un compte spécialisé pour aider Instagram. D'accord. C'est voilà. Autour de la cuisine. Oui, parce que le nom, le nom, il fait penser, oui. Voilà. Mais oui, le 3 zestes de citron, c'est assez connu. Alors, dernière manche. Garce aux fraises ou peste aux prunes ? Garce aux fraises, ouais. Peste aux prunes. Oui, garce aux fraises. Ça fait un peu... Bon, ok, d'accord. Pour le coup, je vais me ranger derrière les filles parce que là, je ne connais pas du tout. Ok, on laisse 3 secondes de temps que tout le monde puisse répondre, etc. C'est ça. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Ça me permet de faire mon enquête. C'est vrai, ça, les gens chez eux peuvent aller directement chercher ? Non, il n'y a pas. Ah, on a une réponse. C'est vrai. Mmh. On a une réponse. Est-ce qu'on l'affiche ou pas ? Bon, allez, je l'affiche. Margot qui nous dit garce aux fraises. Moi, je pense que c'est la raison. Ah, Hubert a fait un mélange des deux. Ça marche pas comme ça, Hubert, malheureusement. On va pouvoir se décider là. Bon, allez, on donne la réponse ? C'est clair. Go. Eh bien, c'était garce aux fraises. Bravo à vous. Oui, garce aux fraises. Ah, qui... Vas-y. C'est quand même assez hallucinant parce que, bon, hormis comme un camion que, bon, perso, je connaissais de mes expériences passées, mais tous les noms là que tu viens de sortir, mais à aucun moment, moi personnellement, je me serais dit c'est des influenceurs. Mm. Tu vois, enfin, je m'attendais plus à des noms de personnes en soi, alors qu'on se rend compte qu'en fait, beaucoup utilisent des pseudos. Et du coup, est-ce que c'est juste leur nom en tant qu'influenceur, parce que là, du coup, ce sont tous des influenceurs sur Instagram. Tout à fait. OK, donc c'est leur compte Insta. Exactement. Mais est-ce que c'est leur nom d'entreprise ? Je pense, oui. OK. Honnêtement, je pense. Bah, dans la logique, oui, parce que du coup, c'est un petit peu leur marque. C'est comme ça qu'ils se vendent, donc dans la logique. Tout à fait. Et ben voilà, bravo à vous. Bon, j'ai pas compté les points, j'avoue. Mais bon. Allez, on passe à la troisième partie, Canva. Yes. Avant, on va répondre à une petite question de Phil. Je te laisse y répondre, Cédric. Ben, directement, la web radio, le puits de la com. Alors, c'est vrai que j'ai une idée de radio et j'adore faire de la radio parce que pour info, j'en ai fait à Radio Campus à l'époque où j'habitais sur l'île. Mais indirectement, le vin du puits de la com répond à ce besoin alors qu'effectivement, en termes de techno, on pourrait s'amuser. J'aimerais bien pouvoir intégrer des bandes son, pouvoir intégrer des bandes audio, mais vu les... Voilà. Peut-être dans les prochaines émissions, on pourra ajouter des sons musicaux. Avec plaisir, en tout cas. Allez, Canva, c'est parti. C'est parti. Troisième partie. Le comprendre et l'utiliser comme un pro. Comment présenter Canva en deux mots ? Conception graphique, par excellence, gratuit, complet. Bon, ça fait plus de deux mots, mais pour vous dire que Canva, bon, bah, c'est l'outil de référence. Si vous voulez vous lancer dans la conception graphique, bon, bah, on en a déjà parlé, Canva, on en a déjà parlé deux fois, il me semble. Et bah, on va avancer. Voilà. Ça t'a perturbé. Ouais. Merci beaucoup, Hubert. Allez, parlons un peu, parlons chiffres. Les filles, je vous donne la parole. C'est parti. J'y vais ? Oui, oui. Bah, 1,3 milliard, du coup. Donc, il y a 1,3 milliard, c'est le nombre de contenus créés avec Canva donc, depuis 2013, ah ouais. Depuis sa création. Donc, c'est énorme. C'est impressionnant. C'est clair. 1,3 milliard, c'est fou. C'est difficile de s'imaginer ça. C'est presque autant de vidéos que sur YouTube. Et je pense même qu'il y en a plus que ça sur YouTube. Oui, oui, mais c'est presque autant de vidéos sur YouTube. Exact, ouais. Parce que YouTube, il me semble que c'est 4 milliards de... Un peu plus de 4 milliards de vidéos qu'il doit y avoir. C'est énorme quand même quand on y pense. Ouais, ouais, ouais. 1,3 milliard. Ok. Tout à fait. Et ensuite, deuxième chiffre. 80%.
d'entreprises de Fortune 500 utilisent Canva. Alors, est-ce que vous connaissez ce que c'est Fortune 500? Moi, oui. Moi, non. Non. Allez, vas-y. Alors, il faut savoir que Fortune 500, c'est les 500 entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires. Mmh. Et dans dedans, le monde. Dans le, oui, dans le monde. Mmh. Et dedans, il y a Apple et... Alors, c'est... Walmart, il me semble. Voilà, Walmart, c'est, pas c'est ça. Bah, oui, oui. C'est ça. Quoi? Je ne connaissais pas normalement. Mais non, mais parce que Walmart, je sais que c'est la plus grande entreprise de grande distribution des États-Unis. Donc, je savais que c'était une des entreprises les plus rentables. Mais je ne connaissais juste pas le terme Fortune 500, en fait. Bah, du coup, tu m'as appris quelque chose. Eh bien, on passe à la suite. C'est OK. Oui, oui, on est perturbé là d'un coup. Allez, go, on continue. Mais, du coup, pourquoi Canva? Et pourquoi pas Paint? Est-ce que vous avez utilisé Paint? Non, pas du tout. Alors, je sais qu'il y a... Non, oui. Ben, oui. Alors, pour la petite histoire, quand même que j'en ai un peu de percastor. Pendant très longtemps, c'est un outil qui... Canva était quand même un outil qu'on avait un peu tendance à bouder parce qu'à l'époque, faire du design, c'était Photoshop, c'était Illustrator, InDesign. Et en fait, quand on s'intéresse à Canva, moi personnellement aujourd'hui je l'utilise beaucoup plus. Pourquoi? Parce que il faut quand même l'avouer que 80% voire même 90% du contenu déjà nous qu'on crée pour nous le Puy de la Com et avec nos clients, bah en règle générale c'est quand même un contenu qui est plus ou moins éphémère vu qu'il est mis sur un réseau social et qu'il n'y a pas forcément besoin de passer des semaines entières pour faire un seul visuel. Cependant, ça nous arrive quand même d'utiliser encore les autres outils pour d'autres demandes, mais je trouve que Canva répond aujourd'hui à ce côté un peu instantanéité du contenu qu'on a besoin de mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? C'est le commentaire d'Hubert qui m'a fait rire et je pense que ça me va rire aussi. Ça ne va ou ça ne va pas? Ça me va ou ça ne va ou ça ne va pas? C'est Canva quoi du coup. D'accord. Ça va ou Canva pas? Okay. Très bien. Merci Hubert pour cette animation. Moi, il m'a eu vraiment ce genre de monde. C'est ma petite barre chocolatée du matin. Et Florian, tu peux être contente parce que tu as Antoine qui est avec nous là. Ah, Antoine. Que tu as eu le plaisir de lui envoyer le livre blanc au sujet de Canva. Oui, tout à fait. Pour répondre à ta question, Antoine, bien évidemment que tu es le bienvenu à Clermont-Ferrand. Pour venir participer au vin du Puy de la Com qui aura lieu dans les prochains mois. Autour d'une bonne bière, avec grand plaisir en tout cas. Allez, on y va? Toujours. Boire la bière, on y va. Donc maintenant que je vois que tu as écrit Paint, oui, je ne pensais pas à celui-là en fait d'outil, tellement que je l'avais oublié. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il est vieux. Bon, bah, c'est l'outil de base qu'il y a sur les Windows, il me semble. Canva, le meilleur outil du monde. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas faire plus complet et plus gratuit en outils. Je veux dire, en conception graphique, c'est la base, on va dire. Si vous n'avez pas de compte, allez tout de suite essayer parce que... Parce que quoi? Parce que c'est vraiment l'outil de référence, peu importe si vous êtes particulier ou si vous êtes une entreprise. Une entreprise qui va pouvoir... Reste concentré. Restons concentrés. Exactement. Même si l'audience ce soir est très joyeuse avec nous et c'est chouette, restons concentrés. Oui. Alors, pourquoi c'est le meilleur outil du monde? Eh bien, parce que je dis, c'est l'outil de référence. Les particuliers peuvent l'utiliser à des fins personnelles. C'est vrai qu'il est quand même très facile d'accès. Oui, et c'est ça. C'est qu'il est vraiment très intuitif, tout est bien expliqué. Il y a plein de mock-ups différents. Si vous voulez, je sais pas, vous faire un petit livre personnalisé, un calendrier, un t-shirt, tout est possible. Et surtout pour les entreprises, parce qu'il y a plein d'outils de marketing et de conception qui seraient très utiles au niveau bureautique également. Donc, n'hésitez pas à le tester si vous ne l'avez pas encore inclus dans votre quotidien. Des astuces avant de se lancer, on fait un petit peu d'auto-promo. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Instagram où on vous explique c'est quoi un bon design, donc des petites astuces. Reste concentré. Oui, bien sûr.
des petites astuces du coup pour comment commencer un bon design avec la bonne utilisation des couleurs, des polices, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Instagram, on publie plein de conseils et astuces pour votre quotidien en tant qu'entreprise ou particulier. On continue ? Oui. Let's go. D'ailleurs, il faut quand même dire que la majorité des éléments qu'on annonce ce soir, notamment, je reviens sur les différents outils sur Instagram, nous-mêmes, on les utilise sur notre propre... Bah, allez, on rigole tout d'un coup et on pourrait en passer à autre chose, là. C'est bon. Bon, allez, on fait un point sur les blagues du père, comme ça, hop, on les rigole un peu, voilà. J'ai de la peine, voilà. Et puis, Marine Le Pen. Celle-là est vraiment pas mal. C'est pas très drôle en vrai. Élément perturbateur. Oui. Alors. Merci, Hubert, à cause de toi, je suis pas concentré. Du tout. C'est quoi ce livre blanc que tu vendais à la base? Oui. 6 959 €. Oui, alors il y a une promo en ce moment. Donc la valeur de base de 6 959,99 € seulement. En ce moment, il est totalement gratuit. Il est totalement gratuit, ce livre blanc. Donc, il vous aidera à vous initier sur l'outil de Canva avec plein de modes de conception différentes, on va dire. Et surtout d'explications au niveau des menus et des outils que vous avez à disposition et des fonctionnalités que vous allez pouvoir exploiter afin de réaliser le plus beau design du monde, si possible. Mmh. Voilà, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Et voilà, il est totalement gratuit et n'hésitez pas. Voilà, c'est avec grand plaisir de pouvoir vous le partager très complet pour vous aider dans les premiers pas de Canva. Exactement. À noter également que le livre sur les 58 questions au sujet de LinkedIn, donc les 58 questions qu'on se pose le plus. Alors, c'est surtout la majorité des questions qu'on me pose, qu'on me pose pendant l'accompagnement Fusion. Que j'ai condensé, qu'on a condensé dans un livre blanc et qui sera très prochainement mis à votre disposition. C'est pareil, si vous le souhaitez, comment on peut les obtenir, en commentaire. Bah, vous nous laissez un commentaire soit sur YouTube, voilà, soit LinkedIn. Sur Insta, LinkedIn. Voilà. Et dans le meilleur des cas, alors je pense que je dans le meilleur des cas, vous tapez le puits de la com. Sur Google et vous allez trouver nos coordonnées sans problème. Voilà. Voilà, tout à fait. On continue du coup après ces deux livres blancs totalement gratuits. N'hésitez pas encore, je le répète. Et les petites astuces du coup de comment utiliser Canva comme un pro. Juste un truc avant de démarrer ce point-là. Là, on m'a quand même donné beaucoup d'infos depuis le début. Très sympa, merci en tout cas de mettre autant d'ambiance avec nous dans ces émissions et c'est franchement plaisant. Juste pour faire un petit point avant d'attaquer sur comment utiliser Canva comme un pro, est-ce que vous pouvez nous faire une petite note entre 1 et 10 sur comment le contenu qu'on vous délivre ce soir, comment ça va? Dites-nous si ça va en commentaire, une petite note entre 1 et 10. Et on continue avec vous juste après pour continuer à détailler les différents points qu'on a prévus avec vous ce soir dans l'émission. Bon, et en attendant, comment ça va? Ça va. Ça va, ça se passe bien. À noter en plus que c'est la première émission de 2022. Alors, En effet, on n'a même pas dit bonne année en démarrage d'émission. Ben, on le dit maintenant. Bonne année à tous. Et alors, c'est, les filles, vu que c'est votre première, vous vivez ça comment maintenant? Ça va. Cool. Ouais. On rigole plutôt drôle. Tout à fait. Avant, mais là, ça va. Philippe qui nous dit 20 sur 20. 20 sur 20. Réponse. Alors celle-là elle est vraiment bien. Ah, vous me tuez ce soir. Allez, on va continuer donc. J'ai jamais autant rigolé dans un vin du Puy de la Com. C'est le début. Allez, merci beaucoup en tout cas. On continue?
Allez, on continue. Allez, on continue après cette petite pause. Du coup, comment utiliser Canva comme un pro? Donc là, ça va être très rapide, ça va être très simple. Premier point, ça va être vraiment l'utilisation des formes sur Canva. En utilisant des formes sur Canva, comme bah, tout simplement les cercles, les carrés, les rectangles, les triangles, etc., etc. pardon, un commentaire qui est vraiment drôle encore une fois. Grâce à ça, du coup, vous allez pouvoir construire de manière plus structurée votre publication, c'est-à-dire avec un carré, juste le contour en fait, sans le vide à l'intérieur. Et du coup, vous allez pouvoir mettre en valeur plusieurs éléments dans votre publication. Voilà. Et on a des commentaires. On peut faire un point sur les commentaires. Ah, encore, non, mais il faut arrêter. Vous avez l'habitude d'utiliser Canva. Oui, c'est Laura. Oui, c'est Laura. Salut Laura. Oui, ce soir, c'est le puits du rire. Oui, allez, hop. C'est bon. On ne maîtrise plus l'émission. Ça part un peu en cacahuète dans toutes les formes du terme, histoire de le dire. Voilà, comme ça, moi, je l'ai dit. Du coup, après les formes, il se passe quoi? Après les formes, du coup, deuxième point pour utiliser Canva comme un pro, c'est les équipes. Utiliser les équipes, c'est primordial quand vous travaillez dans une entreprise, déjà, mais surtout quand vous voulez partager, par exemple, vos conceptions, du coup, avec d'autres membres de votre équipe, tout simplement, et ben c'est sous forme d'équipe sur Canva. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez intégrer 4 autres membres, du coup, dans votre équipe, et vous pouvez partager entre vous, du coup, bah, plusieurs conceptions. L'un peut en faire pour le partager aux autres ou pas, juste le modifier, juste le voir. Est-ce que c'est français ce que je dis? J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ok, c'est bon. Reste concentré. Oui, oui, pardon. Et du coup, voilà, vraiment optimiser son utilisation avec d'autres membres, vraiment utiliser la partie les équipes. Troisième point, on est bon là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Troisième point, du coup, les palettes de couleurs. Ça, c'est hyper important quand on utilise Canva. Déjà, pour faire un bon design, dans la logique, il faut vraiment travailler sur les couleurs. Soit jouer sur le contraste en utilisant peu de couleurs, ou soit jouer sur l'harmonie en utilisant plusieurs couleurs, mais qui restent dans les mêmes tons. Comment utiliser les mêmes tons de couleurs? Eh bien, on va utiliser l'outil dans la photo, voilà, qui se trouve du coup, quand vous allez cliquer sur un élément, vous allez choisir la couleur, et directement dans votre palette de couleurs, vous aurez dans la photo qui va analyser les couleurs de votre document pour pouvoir en tirer les 5 couleurs primaires, et vous allez pouvoir utiliser ces 5 couleurs primaires pour utiliser... les utiliser du coup dans les autres éléments présents sur votre toile. Voilà, pour avoir un design de manière globale plus harmonieux. Ça paraît clair? Ça va? Oui. On t'écoute. Quatrième point, l'espace dossier. L'espace dossier, bon, bah, ça peut paraître insignifiant, c'est présent sur la page d'accueil de Canva, dans le menu de gauche. Et du coup, l'espace dossier qui va vous permettre un petit peu de structurer tous vos designs de manière claire, histoire de mettre un petit peu, de ranger un petit peu tous vos designs dans des dossiers. Enfin, c'est vraiment comme votre bureau d'ordinateur, quoi. Vous allez pouvoir tout ranger et utiliser cet espace-là. C'est hyper important quand on utilise Canva au quotidien parce que, bah, à force, on va faire énormément de conceptions graphiques et à un moment, il va falloir trier tout ça. Et pour finir, cinquième point, c'est la duplication, donc qui va un petit peu avec le quatrième point concernant l'espace dossier. La duplication, en fait, qui va vous permettre, par exemple, si vous voulez utiliser une même toile, un même template, comme on dit, donc avec les éléments principaux, et si vous voulez utiliser une toile avec ses éléments principaux, mais sans du coup modifier le contenu de cette toile, vous pouvez dupliquer cette toile, récupérer les éléments principaux et modifier le contenu, par exemple textuel, les photos, si vous voulez garder la même structure de la toile, histoire d'avoir par exemple un feed Insta plus harmonieux ou pour sur un site internet créer du contenu et que ça soit harmonieux sur les différentes pages. Voilà, tout simplement. J'espère que ça a été clair en tout cas. Et du coup, bah, posez-nous des questions si vous en avez. On est là pour y répondre, il n'y a aucun problème. Et voilà, j'ai fini avec la partie comment utiliser Canva comme un pro. On continue? Ok. Ça vous a plu, les filles? Oui. Ok, cool. Ah, oh, on arrive à un point fatidique. Alors là, c'est la compétition, par contre. Oui. J'ai intérêt à gagner. Ah, ben, bah, j'espère aussi. Bon, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, le tournoi des visuels. Quel est le plus beau visuel Canva? Donc là, Cédric, tu vas participer. Ah bon? Oui. Je pensais que j'avais fini, moi. Alors,
Ah, maintenant, Cédric. Et oui, tu vas participer, Cédric, à la partie, le tournoi des visuels, qui va consister, alors je t'explique, en amont de l'émission, nous avons demandé, la direction a demandé à Aude et Laura de créer 3 publications chacune. 3 publications, je dis publications, 3 conceptions graphiques, 3 designs chacune, sur un même thème à chaque fois. On va fonctionner par manche. Manche 1, manche 2, manche 3. Tu vas devoir voter pour le plus beau design à ton goût. C'est bon pour toi ? Mm-hmm. On y va ? Et ensuite, on va expliquer, du coup, c'est pour vous expliquer de manière concrète les choses à faire et les choses à ne pas faire sur Canva de manière un petit peu plus... Pour le coup, je vais être le pote à Phil. Je gagne quoi ? Quel est le lot à gagner ? Bah, du coup, ça va être les filles. Donc, Philippe, ce sera à toi d'offrir un cadeau à Aude ou Laura. Eh bien, vous gagnez un... Vous allez... Enfin, une part de galette. Allez, bon, go. Allez, on y va, première manche. Ok, c'est parti. Alors, par contre, c'est vachement petit. Et moi, alors attendez, on va faire ça déjà. Oui. On va faire ça. Que nous aussi, on découvre celle de l'autre. Et bah, on a choisi. Mais on a exactement la même chose. Ah oui, il faut ça. Oui, c'est vrai que c'est un point pas du tout négligeable. En fait, les filles ne sont pas au courant de ce que l'autre a fait. Là, elles vont découvrir en live ce que l'autre a fait. D'accord. Okay. Et donc, moi, là, je dois choisir le A ou le B. Voilà, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à choisir, du coup, sur votre design préféré, celui qui vous semble le plus beau, le plus attirant à l'œil, et sur lequel, bah, vous cliquerez potentiellement. Bah ouais. Cédric, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, écoute, j'en pense que. Alors, du coup, la situation est. Moi, en termes d'harmonie, oui. En termes de manière à rendre les choses plus agréables au regard. On va peut-être enlever le... Ah voilà, oui, là c'est chouette, il y a du monde qui participe, c'est cool. Moi, personnellement, effectivement, c'est plutôt le B qui m'a attiré plus facilement le regard d'entrée de jeu. Déjà parce que le fond vert en soi ne rend pas le texte du tout lisible en soi. Même si j'aurais plutôt tendance à choisir l'image des lasagnes de la photo de gauche, personnellement. Mais voilà, globalement, mon choix va sur le B en soi. Ouais, c'est la majorité des gens, du coup, j'ai l'impression que... Oui, j'ai vu qu'il y avait une majorité de B. Et toi, Florian, t'en penses quoi ? Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Bah, moi, je les ai déjà vus, du coup. Mais j'avoue. Et donc du coup, alors c'est qui a gagné ? C'est moi, Laura. Ah, félicitations Laura. Bon bah t'as gagné la première manche. On applaudit. Bon, alors, on applaudit à la fin celui qui a réellement gagné ce tournoi. On passe à la deuxième manche ? Oui. On est parti ? Ah, je préfère la photo de lasagne A, mais oui. Et en fait, moi, oui, parce qu'en fait, il y a pourquoi ma réponse, elle va pour la photo pour le coup. Et c'est là en fait où on reconnaît le côté photo de Aude, parce qu'en fait déjà il y a le fait qu'on voit beaucoup mieux les lasagnes qui sont premier plan, alors que sur le côté B elles sont un peu plus en recul, et il y a le fait aussi qu'on voit l'intérieur donc la sauce tomate, la béchamel, et en fait là ça joue énormément sur le côté gustatif. La photo de l'image du visuel A est beaucoup plus appétissante que l'image de la photo B. Mais de manière harmonieuse, la B est beaucoup plus équilibrée. Belle synthèse, Cédric. Merci. On passe à la deuxième manche ? Allez, go. Alors, le thème, cette fois-ci, était l'ouverture d'un compte Instagram dédié au voyage. Alors, du côté gauche, on a quelque chose d'assez clair avec plus de visuel, on va dire, au niveau photographique. Par contre, c'est 3 photos différentes. C'est hyper chargé. Mm-hmm. Et les deux, le A et le B, sont hyper chargés. Par contre, si je réfléchis d'un point de vue cerveau, le cerveau
quoi qu'il en soit, pour lui, c'est que de l'image. Même s'il y a du texte dessus, c'est que de l'image. Et pour moi, l'effet de contraste, l'équilibre, se reconnaît beaucoup plus dans l'image B, en fait, pour moi. Non, c'est les commentaires. Romain, merci pour toi. Alors, Romain, c'est... Ok. Moi, mon analyse... je trouve ça bien, mais oui, c'est vrai que celle de gauche est vraiment chargée. C'est vrai que ça fait beaucoup de contenu, je trouve, pour un événement comme une ouverture de compte Instagram dédié au voyage. Voilà. Et c'est exactement ce que j'allais dire, Margot. En fait, j'aime beaucoup l'aspect Polaroid. Ça fait vraiment tout dans le design. Effectivement, quand on regarde l'aspect design, le A on voit qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais en termes d'équilibre, pour moi, les deux, l'un, imaginez encore une fois de les voir passer dans un field Insta. Perso, je suis plus attiré par la B parce qu'il y a moins d'éléments à lire en fait. Le B te demande où tu veux. Veux voyager, oui. Alors que le A, on ne sait pas vraiment où ça nous emmène en fait. Mm-hmm. Et entre nouveau compte voyage et bienvenue. Nouveau compte voyage et bienvenue, pour moi, le mot bienvenue me donne envie de rentrer dans quelque chose. Ça, on m'invite à rentrer dans quelque chose. Oui. Alors que nouveau compte voyage, ouais, bah, c'est cool. Oui. Ça joue moins sur l'aspect émotionnel. Tout à fait. Donc, du coup, ta réponse, B. B. OK. Toujours B. C'est encore moi. Ah bon? OK, bon, Laura, 2 points. On se demande qui va finir vainqueur de ce tournoi. Oh là là. On n'a pas encore défini le cadeau. Hein. Quelle attente. De la part de Galette. Ah oui, mince. J'allais dire, t'as de la chance, la vaisselle, elle est faite. Allez. Waouh. Dernière partie. Donc là, il s'agit d'un vote sur le festival du court-métrage. Alors... Ne dis rien pour l'instant. Chut, 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 chut. Mais ne disais rien, parce que sinon, on ne peut pas analyser de manière plus neutre. Moi, personnellement, d'entrée de jeu, c'est le A. Hein. Moi, okay. Le A, il est très... Enfin, ça me parle beaucoup plus, encore une fois, parce que c'est épuré. Un deuxième point qui me facilite le regard, c'est ce qu'on appelle la lecture en mode... tu sais, tu pars du haut, là, en mode oui. Z, là. Oui. Et là, en fait, les éléments m'amènent à lire comme ça. Mm-hmm. Parce que... Il y a un autre point qui est important. On reste des êtres humains. Et tous les êtres humains, que tu veuilles ou non, on est tous attirés par un visage. Et d'autant plus que le visage... Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de pointeur. Mais attends, on va remettre plein d'écran pour que tout le monde voit bien. En fait, comme le visage... Alors, vous ne voyez pas ma souris, mais si vous regardez dans la zone des yeux du personnage, les yeux vont dans une direction... Et le fait qu'indirectement, on lit en Z et qu'en plus, on a des yeux qui vont dans une direction, pour le coup, je sais que c'est du 28 au 5 février, je ne vais pas chercher après. Mm. Du coup, la A. Du coup, la A, ok. C'est qui ? C'est moi. Bon, voilà. Ah, ok. Bon, du coup, c'était tout le temps toi A et tout le temps toi B, j'imagine. Oui, ok, d'accord, super. Je ne sais pas plus les deux. Félicitations Laura, du coup, grande vainqueur de ce tournoi des visuels. Bravo. Ouais. Oh. Alors, du coup, que gagne le vainqueur? Une part de galette. Tu la veux maintenant ou après l'émission? C'est mieux. Non, c'est bon. Là, ouais. Bon, s'il y a une personne qui veut venir jusqu'au studio du vin du Puy de la Com, on offre une part de galette. C'est, pour info, c'est une galette comtoise. C'était on ça. Peut l'offrir à celui qui nous a sauvé la dernière fois. Qui vous a sauvé la dernière fois? De la porte. Ah, parce qu'il est là? Exactement, c'est lui qui a demandé. Ah, et Romain, traverse le quartier et on t'ouvre la porte. Cette fois-ci, elle s'ouvre la porte. On passe à la suite, du coup? Ça vous a plu? Ça t'a plu, Cédric? Bah oui. Ah, cool. Ah non, mais c'est chouette. Du coup, on peut faire une vraie analyse visuelle et du coup, c'est chouette comme jeu. Bon, bonne initiative, mes chers collaborateurs. Tout va bien. Est-ce que tout va bien?
Bah, moi, ça va. C'était très, très comique ce soir comme émission, mais c'était cool. Oui. Ça a permis de... À noter, du coup, tout ce qui a été dit concernant le tournoi des visuels, c'est des conseils que vous pouvez prendre en compte, du coup, pour vos propres créations. Voilà, c'est ça. C'est pas pour rien qu'on a fait ce tournoi des visuels. C'est une excellente idée. Très sympa, dit Christelle, dans le premier jeté. Effectivement. On passe à la suite ? Bah oui. Allez. On continue. Dernière partie. Les réseaux dans le tourisme. Là, ça va être une partie un peu plus concise, mais du coup, qui va s'adresser à vous, du coup, professionnels du tourisme, qui êtes là spécialement pour cette émission dédiée au métier du tourisme. C'est pour ça qu'on a abordé la partie sur Instagram. C'est pour ça qu'on a abordé la partie sur Canva pour la conception graphique. Et du coup, on est parti sur une partie dédiée au tourisme. Lesquels ? Pourquoi ? Comment ? Et on va voyager. C'est parti. Donc, quels réseaux pour le tourisme sont utilisés ? Cédric, je te donne la parole. Merci, monsieur Florian, de me donner cette parole. Du coup, Instagram, partage d'expérience des voyageurs en photo, parler en visuel sur les activités, les restaurants, lieux et alentours, etc. C'est effectivement une vitrine, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va vous permettre de partager d'expérience. Quand on parle de partager l'expérience, c'est pas juste je publie une photo pour publier une photo ou faire la promotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de votre lieu, d'un événement ou autre, mais vraiment être dans le partage. Il y a une chose qui est là quasiment en suspens depuis le début de l'émission, et c'est ce qui fait l'animation en même temps de l'émission, c'est l'aspect émotionnel. On reste des êtres humains, et vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, le fait de prendre un plat en photo et qu'on voit l'intérieur des lasagnes, bah ça moi, enfin, personnellement, oui, ça me donne envie. Et ben, c'est un peu ce que vous devez faire également avec vos propres photos. Deuxième réseau ? Facebook, l'incontournable pour le partage d'informations et de contacts. 67% des Français postent leurs photos de vacances sur Facebook. C'est encore d'actu, ça ? Oui, okay. Malheureusement. D'accord. Non, mais ça, c'est fort probable. Oui, oui. C'est fort probable. Non, mais comme c'est quoi, quand on y pense. Hein, alors, est-ce que Facebook inclut Messenger ? Dans ces 67%. Je pense pas. Ok, donc on est vraiment purement et simplement sur le profil. Oui. Je partage mes photos de vacances sur Facebook. D'accord, cool. J'avoue que même moi, j'y suis passé. Hein. Honnêtement, je pense qu'on y est tous passés de partager des photos de vacances. Oui, mais là, ces dernières années. Oui, oui, bien sûr. Non, mais actuellement, il doit y avoir encore pas mal de gens qui le font, hein, des photos de vacances. La génération de nos parents. Bah, c'est ça. Et étant donné qu'il y a encore énormément de monde de cette génération sur Facebook, bah, bon, j'avoue que je passe énormément moins de temps sur Facebook, donc ça me paraît encore assez énorme de dire que 67% des Français partagent encore sur Facebook. Ben ok. Ouais. Tout ça pour vous dire, professionnels du tourisme, soyez sur ces réseaux, parce que du coup, bah, c'est important et c'est intéressant. Tout à fait. Pinterest, ça serait bien de peut-être de l'inclure dans une prochaine émission. Tout à fait. Parce que je pense que c'est un des réseaux sociaux qui a toujours eu du mal, en fait, à se faire connaître, alors que c'est un outil qui peut être hyper puissant quand on apprend à bien l'utiliser. Moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent des fois pour de la recherche, faire de la visualisation, c'est pour se projeter, faire beaucoup de photos d'intérieur. Oui. Et c'est un outil qui est quand même très, très peu exploité, et je pense que ça a aussi le mérite d'exister. Notamment pour ceux qui ont des... on revient sur les recettes de cuisine, mais je pensais aussi en même temps l'intérieur des chambres, l'intérieur des restaurants, l'intérieur des... si vous avez des lieux à montrer, ça a vraiment le mérite d'être sur ce réseau social. Il faut être d'accord que ce qu'il faut garder en tête dans ce qu'on vous dit depuis le début, c'est qu'il faut être vachement visuel dans vos communications, quel que soit le réseau social au final. Tout à fait. On passe au suivant ? Oui. Et donc, YouTube, en soi, pour la plateforme de référence pour le contenu vidéo, les publicités voyage, les vlogs, etc. Effectivement, le format vlog est un format qui est suffisamment intéressant
pour permettre de voyager et de découvrir votre univers. Si vous voulez en voir des vlogs, on vous invite également à aller sur le compte YouTube du Puy de la Com. Il y en a quelques-uns. Et le dernier en date, TikTok. La plateforme vidéo en vogue, 65% des utilisateurs sont intéressés par le tourisme en France. Et oui, on en parlait encore cet après-midi avec un client. TikTok est une plateforme en ce moment qui est très intéressante, qui n'est pas forcément uniquement réservée à la jeune génération. Je pense que toutes les générations aujourd'hui sont présentes sur le réseau et c'est vraiment devenu un outil où on peut découvrir plein de choses hyper intéressantes. Il y a des gens qui nous font découvrir leur région et je pense que ça, enfin en tout cas pour un lieu du tourisme, c'est intéressant d'être sur ce réseau social-là. D'ailleurs, si la personne de Bonifacio est toujours présente, est-ce que c'est un réseau social que vous utilisez aujourd'hui ? C'est vrai aussi, dites-nous, vous qui êtes en commentaire avec nous, qui êtes encore dans l'émission, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez dans votre communication au quotidien ? Eh ben voilà, on a fait le tour du coup pour les réseaux à utiliser dans le tourisme. Et maintenant, on va passer une vidéo. Du coup, si vous n'avez qu'un smartphone, qu'un iPhone ou même Android, ça peut marcher également, eh ben, voici le YouTuber Alex Jackson qui va vous présenter du coup 5 astuces pour faire une bonne photo avec un smartphone. Première astuce, c'est l'angle. Super important que vous preniez une photo. L'angle, c'est primordial. Ça peut changer le caractère d'une photo, ça peut changer complètement une photo. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez 10 secondes de plus pour prendre votre photo. Trouvez le bon angle, que ce soit dans un café, vous prenez en photo votre café ou votre tarte à la myrtille, ou changez d'angle. Il faut essayer plein de choses. Essayez de prendre la photo du dessus, sur le côté, éloignez-vous. La deuxième astuce que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser les grilles. Activer les grilles, ça va vous permettre d'utiliser la règle des tiers. L'idée, c'est de placer votre personnage ou votre objet sur ces lignes. Ça va vous aider à avoir une meilleure composition et une photo finale qui sera bien meilleure. Troisième petite astuce, la lumière. Vraiment passer un petit peu de temps à chercher cette bonne lumière, si possible naturelle, qui va vraiment sublimer le visage de votre mannequin ou qui va mettre en avant l'objet que vous avez photographié. Petit pro tip aussi, le flash de l'iPhone ou de tout type de smartphone d'ailleurs, à oublier, ça fait des photos complètement horribles. Pour ceux qui sont sur iPhone, il y a une petite technique qui vous permet de gérer la luminosité de la photo. Quand vous cliquez sur l'écran pour l'exposition, vous avez un petit soleil qui apparaît que vous pouvez descendre ou monter pour gérer manuellement l'exposition de la photo. Quatrième astuce, et je pense que c'est ma préférée, ça va être de shooter à travers des objets. Ça ajoute une énorme dynamique à l'image, j'adore faire ça, et vous pouvez être très très créatif avec ça. Par exemple, ici j'ai essayé de mettre une branche devant l'objectif de l'iPhone pour vraiment cadrer l'image, pour mettre en valeur le sujet. On arrive à ma cinquième et dernière astuce qui va être d'utiliser des applications pour retoucher vos photos. Aujourd'hui, on prend une photo, on balance un filtre Instagram dessus et hop, on la met sur Instagram. Mais toutes les photos se ressemblent, donc si vous voulez vraiment sortir du lot, utilisez une application mobile, retouchez votre photo à votre manière et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus d'attention. Hey, on espère que ça vous a plu, que vous avez pris des notes du coup sur ces 5 astuces concernant comment prendre une bonne photo juste avec un smartphone. Bah, c'est totalement possible et c'est vraiment ce qu'on fait tous, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, au quotidien, de prendre des photos. De moins en moins de monde, malheureusement, utilise d'appareils photo, réflexe, tous ces trucs-là. J'y connais rien du tout, mais bon, je peux vous en parler. Mais voilà, tout le monde maintenant a l'habitude d'utiliser un smartphone. Et voilà, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je prends des photos uniquement avec un smartphone. Honnêtement, ou peut-être des fois avec un Polaroid également, parce que c'est un peu la mode en ce moment, je trouve, les Polaroids. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'avais envie de dire quelque chose, mais je sais que je dois attendre. Non, il vaut mieux que j'attende. Ok, bon, on attend, oui. Et du coup, pour conclure, on va dire cette dernière partie, on vous a fait une petite liste de comptes Instagram à suivre. On va vous montrer pourquoi. Premier compte Instagram à suivre, c'est Little Weekend. Je vais augmenter l'écran. Little Weekend, en fait, qui est un compte Instagram qui prend beaucoup de photos, en fait, de voyages dans différentes villes et qui peut vous donner des idées concernant une bonne prise de vue pour les photos.
comment bien utiliser la lumière pour capturer l'essentiel dans les photos, etc., etc. Et bah, par le biais de ce compte Instagram, vous allez voyager, clairement. Donc, notez bien ce compte. Donc, c'est vraiment des comptes qui sont dédiés pour le tourisme ou pour les personnes qui veulent voyager un petit peu. Deuxième compte Instagram, c'est les gîtes du... Alors, je sais pas comment ça se dit, c'est en Bretagne, c'est Bulls. Bulls, je sais pas. Mais du coup, c'est un compte Instagram du coup dédié aux gîtes du coup du Bulls. D'accord. Qui ont l'habitude de publier, on va dire, des photos, on va dire sans design, sans conception graphique, mais des photos qu'on peut voir un petit peu retouchées, qui peuvent vous donner des idées en matière de retouche photo directement. On peut voir des éléments locaux en fait qui sont présents directement dans leur gîte, donc ça peut vous donner des idées si dans le chat il y a des professionnels, on va dire, du gîte et de la chambre d'hôte, voilà, quelque chose avec une dimension un peu plus locale. Ensuite, avant dernier, c'est The Suites Escapes. Donc là, c'est pareil, ça va être un compte Instagram de voyage, mais ça va être plus tourné vers le design graphique, ça va être plus de conception graphique avec toute une ligne éditoriale, une charte graphique, donc on peut voir avec le vert kaki pastel, je sais pas, ça doit sûrement avoir un nom particulier cette couleur, mais voilà, on voit que ça respecte toute une charte éditoriale avec du coup des recettes de cuisine, des idées photos en termes de logement intérieur, etc. Donc, ça peut vous donner énormément d'idées, pardon. Donc, The Suite Escapes. Et le dernier, du coup, que je vous conseille de suivre, c'est Staycation. Donc là, c'est, on va dire, un compte assez populaire en termes de voyage. C'est aussi un compte Instagram sur le voyage qui peut vous donner des idées en termes de photographie, mais surtout en termes d'idées de conception moderne. Car bon, bah, c'est un compte qui a assez de tendance, qui joue un petit peu avec l'interaction et la fraîcheur, on va dire, et voilà, qui maîtrise un petit peu les codes d'Instagram pour faire réagir. Donc, Staycation, qui compte plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. C'était pas prévu, c'est ça le plaisir avec le vin du Puy de la Com. Mais il y a un sixième compte qui n'est pas prévu parce qu'on ne le savait pas jusqu'à ce soir. Mais pour le coup, je vous invite à vous abonner au compte Instagram de Bonifacio Tourism Corsia parce que les photos, elles sont juste mortelles. Je ne sais pas si je le montre comme ça. Ça peut peut-être se voir, en fait. Bah oui, carrément. Là, c'est un peu flou. Mais bref, vous m'avez vu. Du coup, voilà. Allez voir. C'est Bonifacio Tourism Corsica. Et franchement, les photos, elles sont géniales. Et ben voilà, un dernier compte Instagram à aller sur Bonifacio Tourisme. Avec plaisir. Allez, on passe à la toute dernière partie. Ok, cool. Les filles, sortez les mouchoirs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, moi, avant la fin de l'émission. Moi, j'ai une question. Bonifacio Tourisme, vous nous invitez le Puy de la Com. On vient tous en Corse pour faire la prochaine émission cet été. Allez, le mot de la fin, Cédric, dites-nous je te rends la parole. En commentaire si on a répondu à vos attentes. C'est notre souhait avant tout, hein, rester dans un format convivial, de rester dans un format où on est plutôt en mode interaction avec vous. On a essayé de vous donner le maximum d'informations. Vous vous doutez bien, en fait, que on peut pas tout dire en 1h30. À la base, c'est Instagram et Canva pour prendre la main, ça demande quand même un petit peu plus de temps, mais déjà vous avez une bonne base. Pour dire de commencer, et du coup, bah voilà, c'est ce que je voulais savoir en soi. Du coup, le Puy de la Com, agence de communication, met également un centre de formation dédié à la stratégie digitale des entreprises. Et du coup, ça serait génial, n'empêche, d'aller faire une émission du vin sur la plage, spécialisée donc sur les réseaux sociaux, spécialisée dans l'ensemble de la stratégie digitale que vous avez besoin pour acquérir vos clients. Quand on dit agence de communication, c'est qu'on peut aussi bien vous accompagner sur la partie consulting avec notre offre Fusion, qui est un accompagnement de 2 heures par semaine, ou bien vous avez le centre de formation
où là, on est beaucoup plus sur un format formation. Et du coup, pour les entreprises qui le souhaitent, faire appel au financement par le biais de vos opérateurs de compétences, ce qu'on appelle les OPCO, pour profiter pleinement de notre savoir-faire. Et en prime, vous avez la bonne humeur du Puy de la Com, parce que nous, en tout cas, on kiffe ce qu'on fait. Franchement, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé ce format ce soir. Oui. Merci à Aude et Laura d'y avoir contribué, hein, d'y avoir participé. Et t'inquiète, je ne suis pas encore en mode bye-bye. Vas-y. Et du coup, oui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, car on a encore une surprise à vous annoncer. C'est Florian. C'est une bonne surprise. C'est Florian. Il peut pas s'en empêcher de vous mettre plein de surprises. Et on a toujours envie de vous donner plein de surprises au Puy de la Com. En tout cas, voilà. D'y voir, c'est vrai que j'ai la main aussi, hein, je peux le faire. C'est vrai que ce sont les sujets qu'on n'a pas parlé ce soir avec vous. Donc SIA, SEO, SEO, SIA, donc c'est tout le domaine du référencement naturel, du référencement payant. Comment faire en sorte que votre site monte dans les premières pages des moteurs de recherche. Google My Business, qui est un outil qui est fort apprécié parce qu'on on l'anime hein, en formation auprès des offices du tourisme qui souhaitent faire bénéficier auprès de leurs partenaires de nos compétences. C'est un des outils les plus demandés parce que c'est très très important de pouvoir bien le mettre en place. Facebook Business Manager, c'est la plateforme de Facebook pour toute la partie publicité. Et un point qui est extrêmement crucial, c'est la partie avis client. Comment on gère les avis clients, surtout quand aussi bien qu'on a des avis négatifs, mais parfois il faut le dire aussi, ne jamais oublier de répondre même à un avis positif. Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets que l'on va traiter dans les prochaines émissions du vin du Puy de la Com. Et voilà la surprise, grande annonce. Le Puy de la Com est désormais partenaire du Festival du court-métrage qui a lieu bien sûr à Clermont-Ferrand du 28 janvier au 5 février 2022. Bah, du coup, c'est quand même un grand événement, c'est une première pour le Puy de la Com. Tout à fait, donc du coup, c'est tout frais depuis ce matin. Le Puy de la Com devient partenaire mécène du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ça démarre le 28 janvier, donc vendredi prochain. Et comme vous êtes les primeurs à le savoir, parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus sur nos propres réseaux sociaux, du coup, la surprise, on leur dit en fait. Hein. Oui, mais il faut leur dire et il faut vous le dire en fait. Mais mes chers amis, vu que vous êtes encore parmi nous ce soir et c'est avec grand plaisir de vous l'annoncer, mais en fait, on a des places. Donc, si vous voulez être les premiers à gagner nos places, enfin les places pour participer au Festival du court-métrage qui commence vendredi prochain, eh ben suivez-nous sur Instagram, le Puy de la Com, parce qu'on va vous inviter à participer à notre jeu concours pour gagner ces places pour participer au Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Il y aura plus de précisions du coup dans les modalités qui seront bien expliquées dans notre post Instagram de demain matin. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour suivre nos actualités et le jeu concours du coup commencera dès lundi. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être tenu informé de la suite des événements et n'hésitez pas à participer au jeu concours. Voilà, pour finir sur ce point, partenariat, Festival du court-métrage. C'est un grand honneur en tout cas. Voilà, messieurs, dames, merci pour votre écoute, merci pour votre participation, merci pour cette franche rigolade, franchement, c'était cool, même si, effectivement, comme le disait Christelle tout à l'heure, ça nous a permis de tester le décrochage, mais voilà, c'est toujours plaisant, nous sommes à la 4e émission, et ben du coup, voilà, on a une petite réserve pour le vin du mois de février. Parce que là aussi, la team, la troupe d'élite du Puy de la Com, on est en train de vous préparer un mois de février hors norme, c'est cas de le dire. Et du coup, peut-être qu'exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission le 20, mais il y aura peut-être autre chose à la place. Mais dans tous les cas, on vous donne rendez-vous au mois de mars, si toutefois il n'y a pas d'émission au mois de février,
avec des sujets très, très intéressants. Et comme on le dit souvent, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire les émissions ou des thématiques que vous voudriez qu'on vous aborde. Pour ceux qui sont dans le domaine du tourisme, vu qu'on a quand même décidé de faire cette émission dédiée à votre secteur d'activité, dites-nous s'il vous plaît en commentaire si on était à la hauteur de vos attentes. Merci à vous. Et n'hésitez pas du coup, je vais revenir un petit peu sur les livres blancs. N'hésitez pas à commenter pour les personnes qui souhaitent découvrir nos livres blancs. Je vous le rappelle, le petit guide Canva qui va vous initier du coup à l'utilisation de cet outil incroyable, entre parenthèses. Et du coup, le second livre blanc qui traite de LinkedIn, 58 oui. questions à propos de LinkedIn, les questions qu'on se pose le plus. Donc, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est totalement numérique. Commentez tout simplement et on vous envoie ça. Voilà, fin de mon discours. Un petit mot, les filles. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ça vous a plu? Oui, 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 c'était cool. Il y a eu de la rigolade. Ouais. Bon, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et nous, c'est avec grand plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission du vin du Puy de la Com. Bye bye, à bientôt.